Symbole de la coopération tchado-chinoise, le stade de Mandiafa, 6 ou 7e arrondissement, d'une capacité de 30 000 places en chantier, dont la fin des travaux est prévue pour le début de l'année 2025, constitue la toute première étape de la descente du ministre de la Jeunesse et des Sports, Patale Géo, accompagné de tout son staff. Cette descente, qui vise à constater de visu l'état d'avancement des travaux, a permis au ministre d'échanger avec les techniciens chinois sur les difficultés de tous ordres et de rassurer ses interlocuteurs de la détermination des plus hautes autorités à les soutenir dans toutes leurs activités. Les travaux avancent très bien. C'est un stade qui est assis sur 16 hectares. C'est pour dire que c'est un projet gigantesque. Le coût global du projet est de 60 milliards et c'est un projet clé à main. Le stade municipal de Diguel, situé dans le 8e arrondissement, est la deuxième étape de la visite du ministre Patale Géo et son équipe. Ici, le ministre a échangé avec les responsables en charge de la gestion du stade sur l'état de délabrement des installations techniques. Le stade Idriss Mohamed Ouya, dont les travaux de rénovation ont été abandonnés juste 2 mois après les premiers coups de bulldozer, a mis terme à cette visite. Le coût global de la réhabilitation est de 1,7 milliard. C'est sur financement État, à travers l'ONAGES. Et vous savez tous qu'aujourd'hui, l'ONAGES traverse un moment très difficile. Le ministre de la Jeunesse et des Sports rassure la jeunesse et le peuple tchadien tout entier de l'engagement des plus hautes autorités de transition à tenir leurs promesses qui entrent dans le cadre de la cohésion sociale. Car, dit-il, le sport unit le peuple.